Moi, je l'ai trouvé grâce au groupe Facebook qu'on a en fait avec l'école où Émilie du coup nous transmet plusieurs offres de stage qui peuvent correspondre aux différentes années. Donc c'était pendant le confinement, j'étais un peu en panique de pas avoir encore mon stage, sachant que c'était plus compliqué de trouver avec tout ce qui se passait. J'ai vu l'annonce en fait sur le groupe Facebook, donc j'ai postulé et j'ai été prise. Ah bah, c'était l'entreprise Les Ateliers Mellerin. Donc c'est une menuiserie, ils font de la menuiserie charpente, de l'agencement, etc. L'émission c'était principalement de la gestion de site internet, le renouveler un peu, le remoderniser un petit peu, et du community management, donc sur les réseaux sociaux, création de contenu photo, vidéo. Et du coup, si je devais donner un conseil aux futurs étudiants et étudiantes qui devront trouver un stage, c'est de pas avoir peur d'aller dans un milieu que vous connaissez pas du tout, parce que moi pour le coup la menuiserie c'était vraiment pas mon domaine, et comme c'était pendant le confinement j'ai vu un stage qui correspondait à peu près à mon profil, donc je me suis dit que j'allais pas faire la difficile, et au final j'ai appris beaucoup de choses.